te dire, c'est très difficile d'être comme moi. Ah. Il y a vraiment de quoi être fier. Un mot. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, Bagheera? Balou. Une pizza, fourrée dans une dinde, le tout frit dans l'huile et trempé dans le chocolat. Tu ne peux pas adopter Mowgli, c'est impossible. Pourquoi? Vois-tu, on dit toujours qu'il se ressemble, s'assemble. Tu n'épouserais pas une panthère, n'est-ce pas? Pourquoi? Oh non, Balou, je t'en prie, sois un peu sérieux, 2 minutes. Pourquoi? C'est ça, tu restes là si tu veux, mais moi je me barre. Regarde ton œil. C'est impossible! Mon visage! Oh, mon magnifique, magnifique visage! Oh non, Balou, je t'en prie, sois un peu sérieux, 2 minutes. Pourquoi? Balou, le petit Dom doit aller immédiatement au village. Et toi, t'as l'air d'une vieille peau de chat bouffée par les mythes. Pourquoi? Autre chose. Il est certain que tôt ou tard, Mowgli rencontrera Shere Khan. Tu te fous de ma gueule? Il déteste les hommes de toutes ses forces, tu dois savoir cela. J'en sais rien. Non mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il les déteste parce qu'il craint leur feu et leur fusil. Il tuera Mowgli pendant qu'il est jeune et sans défense. Pourquoi? Restera auprès de toi, il courra de grands dangers. Alors ça dépend de toi. Pourquoi de moi? Mais pas parce qu'il ne m'écoutera pas. Flashback. End of flashback. Alors pense à ce qui sera le mieux pour Mowgli et non pour toi. 2 hours later. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi. Ah, être un ours, moi ça me plaît. Voilà qui est parlé, petit. Je suis sûr que tu vas faire un ours épatant. Later. Tu m'as dit qu'on est comme père et fils. Tu peux me croire, fils. Tu es exactement comme Bagheera. Oh, je me sens soudainement très insulté. Voyons, comment l'ami Bagheera m'a expliqué ça? Ah! Mowgli. Tu me laisses jamais faire ce que je veux! Ah oui? Et ce que je veux, moi, hein? C'est pas important! Je t'ai même pas demandé en mariage, ben, encore! Tu pourras le faire pendant notre lune de miel! Quoi? Mais t'es complètement folle, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Comment oses-tu dire que ta fiancée est folle? Tu n'es pas ma fiancée! Nous ne sommes pas fiancés! Et pendant qu'on y est, vu le tour que prend cette conversation, eh ben je peux t'assurer d'une chose, ça m'arrange tout à fait! Ouais! Eh bien,
qu'est-ce que tu attends, là? Il faut se séparer, le retrouver. Faisons vite. Il n'a pas le sens de l'orientation. Oh, je suis où? Et il va découvrir que ne pas avoir le sens de l'orientation, c'est pas facile. Il est perdu, un film pour toute la famille. Je vais prendre ce couteau et je vais te trancher la gorge avec. Bande de bâtards. Bande de fils de pute. La patrouille de la jungle. Stop. Une minute. Qui a fait bip? C'est moi, colonel. Non mais tu me prends pour un... Arrête tout de suite, espèce de fils de... Ah, tu veux jouer à ça? Alors écoute-moi bien, sale con. Ta mère n***** et su*** des b***** avant que tu sois né. Alors maintenant je te... espèce de petite... C'est très intéressant. Meanwhile... Oh non 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 non. Oh putain, tu m'as pas vu passer, sale fils de pute. Oh, aïe, sale pute. Meanwhile... Enfin... Mais pourquoi vous me laissez pas vous insulter? Alors, tas de fripons, finis les sottises! Je vous préviens, c'est pas demain la veille comme j'aurai un vilain tour! Ça perd l'hypopète! Chef! Oui, chef! J'entends rien, petit chenapan! On me traite de chenapan! Tu fais chier, l'opède, va! L'opède! Maintenant, je vais à mon rendez-vous avec le petit homme. C'est toi, Car? Tout juste, petit homme. Je suis si satisfait de te revoir. Alors, regarde-moi. Vas-y, putain, vas-y, tu me fais quoi, là? Lâchez ta donnée en live, c'est ce fils de pute, là! Tiens donc. Non, je veux dire, tu te défies de moi. Je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Qui est-ce? C'est moi, cher Khan. Mais vous chantiez pour quelqu'un. Qui est-ce? Vous savez, je m'hypnotise. Si ça vous intéresse, je vais vous exposer la chose. Si jamais il vous arrivait de voir le petit homme, c'est à moi que vous le diriez. Compris? Oui, j'ai compris. Si je mens, je vais en enfer. Sage résolution. Oh. Ah oui, ce pauvre... T'es un gamin, t'as quel âge, frère? Putain, l'enculé de merde va te foutre! Connard!